Bonsoir. Donc on est dimanche soir, donc je vais filmer quelques courriers que j'ai reçus parce que je vais m'absenter quelques jours. Je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo en ligne. Voilà, je suis en train de tripoter mes petites magnolias que j'ai que Karine m'avait envoyées. J'en ai colorisé deux aujourd'hui. Et là, le glossy que j'ai mis sur les petites fleurs est en, ou les petits citrons est en train de sécher. Voilà, donc j'ai reçu des cartes de vœux. Donc voilà, alors la première. Alors j'ai ouvert les papiers hein, pour aller plus vite, les enveloppes, mais j'ai lu et je n'ai pas. Donc voilà. Alors, Anso de la chaîne, donc Anne-Sophie de la chaîne Anso, oups, voilà, je vais y arriver, m'a envoyé une jolie carte de vœux comme ça dans mes couleurs. Ça me fait trop plaisir. Et elle a joint, alors elle a acheté un produit, j'ai vu sa vidéo, chez Stamperia, et je n'avais même pas fait attention. Vous voyez, j'ai ouvert, c'est, je le découvre avec vous, je n'avais même pas fait, je croyais que ça faisait partie de la carte. Et comme j'ai vu la vidéo hier, ben voilà, elle m'a mis un morceau de dentelle. Alors c'est incroyable comme c'est souple. C'est vraiment comme elle le dit dans sa vidéo. Moi, je vais l'utiliser, je la trouve magnifique. C'est un moulage, en fin de compte, avec un produit Stamperia qu'elle a acheté. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous voulez le nom du produit ou le lien. Voilà. Mais c'est vraiment impeccable, hein. En tout cas, elle en était très contente. Donc voilà sa magnifique carte shaker. Donc Anso, ça me fait super, super plaisir. Donc c'est dans les tons verts. Vous voyez, elle a mis plein de sequins à l'intérieur. Dans les tons bruns, dorés, verts. Enfin, c'est magnifique. L'éclairage n'est pas terrible, hein. Voilà. Ici, il y a des petites branches de perles et des fleurs maison. Voilà, c'est sublime, et l'enveloppe, elle l'a fait elle avec un papier avec des pompons. Alors pour l'instant, je garde tout parce que je note le nom de toutes celles qui m'ont écrit. Donc en fait, j'avais déjà écrit un. Donc ensuite, j'ai une autre carte, alors dans une enveloppe rose comme ceci, avec un très joli timbre. Qui me vient de Dan, de Daniel, de la chaîne Dan. Tout le monde la connaît, Dan. Donc elle m'a fait une magnifique carte. Ben, c'est très rigolo parce que voilà, moi aussi je suis en train de coloriser des petites magnolias. Donc c'est ce qu'elle m'a fait. Donc sur un fond de carte avec du papier hibou. Ici elle a mis bonne heureuse année dans un petit tamponnage. Elle a fait des petits passants là, dans lequel elle a passé un ruban. Et il y a une petite pochette ici. Alors là, j'ai trouvé ça, mais super rigolo. Vous savez, quand on mange certains bonbons ou des papillotes, il y a des petits mots à l'intérieur. Et ben, elle a eu l'idée de les garder, de les coller sur des petites découpes comme ça. Alors, par exemple, aimer, aimer savoir est humain, savoir aimer est divin. Si tu veux être heureux, sois-le. Ici, pourquoi mon. Alors, ici, c'est une petite blague. Et le petit personnage porte un bonnet d'âne sur lequel il y a écrit cancre. Pourquoi mon fils a-t-il toujours zéro? Parce qu'il n'y a pas de note plus basse. Voilà, c'est des petites. Et je trouve ça très rigolo. Donc, un autre. Cap, pas cap d'ouvrir la papillote et de ne pas manger le chocolat. Le chocolat, c'est dur, très dur. Mange-moi. Moi, je trouve ça vraiment une excellente idée. C'est vrai qu'on les jette, mais en fin de compte, je vais regarder maintenant et je garderai aussi ces petites choses. Donc, elle m'a mis un gentil mot. Donc, je vous mets pas. Donc, je remercie Dan. Voilà. Voilà. Donc, d'un côté, c'est plein de petits. Des petites chouettes ou des petits hiboux, là. Voilà. Et de l'autre côté, sur sa branche. Je dirais plutôt Madame la Chouette parce que je trouve elle, vraiment. Ça fait très féminin, très joli, très joli. Merci. Puis alors l'idée, je la trouve excellente, excellente. Franchement, l'idée des petites choses, je n'y aurais jamais pensé.
Ensuite, j'ai un autre courrier dans une enveloppe. Alors, celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Vous allez dire que je suis complètement idiote. Mais la personne qui me l'a envoyé, je l'adore. Donc, c'est Greg. Donc, voilà la jolie carte qu'il m'a envoyée sur un papier. Voilà, un peu rouge et blanc comme ça, comme de l'écossais. Il a mis de la toile de jute, une découpe de serre stylisée. Voilà, très rigolote la découpe là. Avec une tasse de chocolat chaud. Ici, il a mis bonne année et son petit mot. Donc, Greg, voilà, je te remercie énormément, énormément. Alors, j'ai commencé à faire le tri dans ce que j'ai reçu. J'ai enlevé toutes les anciennes cartes et j'ai commencé à installer à l'étage vos cartes de vœux. Voilà, pour en profiter un peu plus. Alors, ensuite, j'ai une autre carte là, avec deux jolis timbres aussi qui me vient de Myriam C. Alors Myriam, puis derrière, alors je ne vais pas vous montrer son adresse, mais elle a mis un petit tamponnage. Bonheur et douceur pour cette année nouvelle. C'est vraiment très très gentil. Donc je vais sortir. Donc, ah bon, en plus elle m'a mis un petit cadeau. Donc elle m'a mis. Alors, faut que je l'ouvre parce qu'il est à l'envers. Hein. Alors, de toute façon, peut-être que vous le verrez à l'endroit, vu que les vidéos. Je ne sais pas pourquoi les vidéos se mettent à l'envers. Hein. Alors, une petite branche de sapin avec une boule de Noël. Et il y a marqué Noël arrive. Donc, c'est très très bien. Je n'ai pas du tout ce genre de tampon. Donc, Myriam, je te remercie. Ben, ça, je ne vais pas le ranger dans l'enveloppe. Et ça me servira pour l'année prochaine. Donc, elle m'a fait une jolie carte. Alors j'aime bien ce style de papier là, comme les mailles d'un pull. En plus comme j'aime bien tricoter, donc voilà, ça va très bien. Une petite théière avec sa petite tasse à thé, son sachet. Voilà. Collé en 3D. Vous voyez le papier, ça fait comme si c'était une enveloppe. On voit bien la découpe ici, comme si c'était une enveloppe. Alors elle a mis du fil, des petites pierres, elle a mis une branche. C'est l'hiver. Ouais, c'est vrai, on porte des pulls comme ça. L'hiver, on boit un peu de thé chaud pour se réchauffer quand on rentre de balade. Et puis, alors, c'est l'hiver, c'est marqué en 3D et c'est une découpe. C'est vraiment très, très joli. Hein. Donc, il y a un fond couleur. Bon, donc, c'est blanc. Il y a un fond couleur or. Plus cette découpe, là, que j'adore. Hein. Une découpe enveloppe, là, comme ça, c'est vraiment sympa. Et à l'intérieur, alors, elle m'a fait un marque-page. Alors moi qui suis fan des marque-pages, regardez des petits oiseaux. Donc je suis très sensible à ça. Elle a pensé à ce que j'aime les petits oiseaux. C'est très gentil. Alors ça, je ne le range pas non plus dans l'enveloppe. Puisque je vais le mettre avec mes autres marque-pages. Et à l'intérieur, elle a répété son tampon. Voilà. Et elle m'a fait vraiment un gentil mot. C'est vraiment Myriam, je te remercie de tout cœur, franchement, d'être toujours présente. C'est vraiment super, super gentil. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai une autre carte de Anne-Marie M. Donc Anne-Marie, elle a une chaîne. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Voilà, je peux montrer. Elle m'a mis une carte de visite. C'est Scrapelise. Voilà. Donc, faut aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des choses magnifiques, magnifiques. Elle organise aussi un concours auquel j'ai participé. Voilà. Et elle m'a fait un joli tag. Donc, c'est elle qui fait tous les fonds. Hein. Donc, voilà, un joli tag avec des fleurs voilà, en relief comme ceci. C'est super. Bon, ça, je vais jeter hein, le petit mot là. Voilà. C'est vraiment très 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 gentil. Voilà, je pense que c'est une façon de remercier les personnes qui ont participé à son concours. Voilà. Ensuite, alors j'ai une carte là, il n'y a pas de nom, mais je l'ai trouvée
sublime, sublime, sublime. C'est notre Sylvie qui vient de changer. Ouais, c'était Sylvie colle tout partout. Maintenant, c'est Scrapadingue colle tout partout. Voilà. Donc c'est Sylvie. Elle a changé le nom de sa chaîne. Donc ici, elle a mis une petite bannière s'embrasser sous le gui. Elle a mis une petite scène comme ça avec des sapins, un petit fan comme ça, une petite pomme de pin. Ici, il y a des petites pignes comme ça. Ce sont des découpes. Un petit nœud couleur or, une branche de sapin. Vraiment, ce petit décor en 3D est sublime. Et elle m'a mis un mot très très gentil. Donc voilà, sur une carte comme ceci, une base de carte qu'elle a arrangée à sa sauce. Et c'est vraiment super et ça me touche énormément. Sylvie, je t'embrasse, je te remercie beaucoup. Donc voilà, je range aussi dans la carte, comme je vous dis, je note, voilà. Et après, je les installerai avec les autres là-haut. Ensuite, j'ai une carte de Pamela. Alors, Pamela, j'aime beaucoup Pamela aussi. Marqué, je vous aime toutes, hein, c'est un peu idiot ce que je dis, mais bon. Alors là, par contre, je n'avais pas encore reçu de carte dans ce style-là. Alors, elle est super, sa carte. Sur un fond blanc. Un papier comme ça rayé avec une découpe d'un verre à champagne, voilà, sur lequel est un verre et de la bouteille Bonne Année, voilà. Donc ici il y a des volutes là comme ça. Le papier rayé est étoilé, vous voyez peut-être pas, mais on voit les petites étoiles couleur or et la petite bouteille. Elle a fait le découpe alors du bouchon, de la base de la bouteille, le pied du verre et le haut du verre comme ça avec en argenté, c'est super joli. Et pareil, elle m'a mis un gentil mot sur un papier à part. Donc, vous voyez, hop, donc son petit mot, je l'ai déjà lu. Pamela, je te remercie. Je vois que tu as l'air très heureuse dans ton nouvel environnement. Ça fait plaisir. Les filles, elles ont l'air super contentes aussi de leur école, de tout. Donc, c'est parfait pour vous. Voilà, donc Pamela, je vous embrasse bah, tous les deux, hein, ton mari et toi, et les trois filles. Voilà, je te remercie pour ta carte. Ensuite, j'ai une carte de Gis, mais elle m'a fait une carte de bonne année, mais pas que, parce qu'elle avait, avec Kiki, ils s'étaient fait un échange de calendrier de l'Avent, et elles avaient organisé toutes les deux un petit tirage au sort et nous faire gagner les tamponnages. Donc, j'ai une enveloppe comme ceci que je n'ai pas ouverte et que je vais ouvrir avec vous. Alors, j'ai d'abord une magnifique carte de bonne année. Alors, elle est sublime, sublime. Elle est embossée comme ça. Parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est de l'embossage qu'elle a colorisé. Tout ce qui est embossé est colorisé. Alors, ce petit pingouin. Je suis fan. Ici, bonne année. Donc, elle lui a fait un petit cache-colle comme ça, colorisé en rose. Elle a mis des petits flocons comme ça de neige. J'adore, j'adore. Donc, elle m'a mis un petit mot hein, pour voilà, me remercier d'avoir participé à son petit tirage au sort quoi, de ses calendriers de l'Avent. Parce que c'est vrai que je les ai toutes. Je ne crois pas avoir loupé une seule vidéo de Kiki et de Gis parce qu'elles se sont fait un échange d'ATC, mais alors des ATC sublimes. Franchement, c'est le top. Hein. Voilà, franchement, des ATC aussi belles les unes que les autres. Hein. Je ne sais pas si je serais capable de faire des aussi jolies choses. Voilà, bon. C'était magnifique, donc j'avais trouvé l'échange pas mal du tout. Et regardez ce que j'ai. Donc évidemment, hein, j'ai un gentil mot sur cette magnifique carte. Mais alors là, je suis fan parce que je vais m'en servir aussi comme marque-page. Elle m'a fait un tag comme ceci avec cet adorable souris. Alors franchement, là, celle-ci, elle va aller aussi dans mon livre. Elle va rejoindre ma collection. Voilà. J'adore, je suis fan des marque-pages et tout ça. Donc là, Wonderful Time, donc un merveilleux
mais un merveilleux temps. C'est un moment, on peut traduire ça comme ça, mais bon, un temps merveilleux, quoi. C'est, je trouve sublime, rigolo. Et puis alors pareil, hein, elles font leur fond elles-mêmes. Gis, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son travail, j'adore comment elle explique. J'aime beaucoup, beaucoup sa chaîne. Et c'est grâce à Kiki que j'ai connu Gis. Oh, vraiment, cette petite souris, elle est adorable. Oh, j'aurais bien aimé avoir des découpes comme ça pour en envoyer une à ma petite fille, enfin mes petites filles, quoi. Elle est trop jolie. Je suis fan. Je vais essayer de trouver parce que je trouve ça très joli, très mignon. Puis alors le fond, moi il me manque les encres, les peintures pour faire des fonds comme ça. Je suis pas aussi douée. Il faut que je regarde plusieurs vidéos comme ça, savoir le matériel. Je sais qu'Anne-Marie justement de la chaîne Scrapélise fait beaucoup de fonds, mais je vois il faut une tonne de peinture de. Alors, des fois, quand j'ai regardé le prix des ça revient très très cher, quoi. Donc voilà sa petite enveloppe. Joyeux Noël 2019. Voilà. Et derrière, un petit tampon. Bonne année. Donc on va ouvrir et on va regarder les découpes. Normalement, j'en ai pas loupé une. Donc, je les connais, mais ça va ajouter à ma collection de découpes. Donc elle m'a mis une petite page comme ça avec des étiquettes. Et elles avaient aussi des tampons qu'elles ont reçus. Donc j'ai un tamponnage de chaque. Voilà, par exemple, parce que chaque moment compte. Voilà, instant de tendresse. Voilà, je trouve que leur échange, il était vraiment super. Et puis voilà, vivre pleinement chaque instant. Donc elles ont des tampons comme ça et je trouve ça. Alors, faire de chaque instant un moment inoubliable. Donc, elles ont fait aux gagnantes nos jolis souvenirs. Donc, c'est bien d'avoir tous ces tampons dans un sens. La vie est belle. Alors, ça, on sait, hein, c'est Kiki qui nous le répète à chaque fois. La vie est belle. Instant magique. Ensuite, moment de bonheur. Alors, c'est tout ce qu'elles ont eu dans leur calendrier de l'avant. Un si joli moment. Donc c'est sûr que je vais utiliser tout ça. Et ensuite, il y avait bon, les découpes comme ça. Alors, c'est des découpes de feuillage. Hein. J'ai pas. Voilà, c'est tout fin. Et je vous montrerai. Voilà. Et là, je ne sais pas ce qu'elle m'a mis là. Faut que j'arrive à lire. Miam. Donc c'est très rigolo. Voilà, on va le mettre sur un papier blanc, mais c'est toujours pareil. Vous allez le voir à l'envers, quoique de toute façon ça commence et ça finit par la même lettre. Voilà, donc je vais remettre toutes les découpes à l'intérieur et les tamponnages parce que je classerai ça plus tard. Donc je suis contente d'avoir gagné ça. Voilà, un petit concours sympathique. Voilà, mais en fait je me suis régalée avec les vidéos. Alors voilà, mais c'est sympa d'avoir ces petits tamponnages. C'est vrai que d'avoir des tampons mots écrits en français, on ne trouve pas toujours, c'est pas évident. Et voilà les petites étiquettes en plus. Donc je vous remercie toutes et tous pour vos courriers. Voilà. Merci à toutes celles qui m'ont mis des petits plus. C'est vraiment sympa. Le tampon, la dentelle, les petits tamponnages, les marque-pages. De toute façon, je suis déjà fan, fan, fan avec vos cartes. Regardez, je n'avais pas vu derrière. La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté. François Mauriac. Oui, en plus, j'adore François Mauriac. Donc voilà. Donc merci, merci pour ces jolis courriers. Voilà, ça me touche beaucoup. Et franchement, d'avoir ça tous les jours dans ma boîte aux lettres, un vrai bonheur. Vous pouvez pas savoir d'ailleurs à quel point je suis touchée par vos envois, vos courriers. Une simple carte, hein, ça me fait, mais franchement, toujours, toujours très plaisir. Donc Gis aussi, elle avait fait une enveloppe personnalisée. C'est elle qui a fait l'enveloppe parce que je connais ce papier. Je l'ai utilisé pour faire un album sur le thème de la mer. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de nouveau à toutes et tous.
un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.